Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci pour votre présence pour la deuxième conférence du cycle 2023 des conférences du cycle des jeudis de l'histoire et du patrimoine. Tout d'abord, je dois excuser notre élu délégué aux archives et au patrimoine, Bertrand Renaud, que je viens d'avoir au téléphone. Il est bloqué sur une autre réunion. Il essaiera de nous rejoindre. Alors, je ne peux pas prendre sa place parce que je ne suis pas élu. Je vais simplement dire un petit mot d'accueil pour la conférencière de ce soir. Tout d'abord, resituer le contexte hein, de cycle des conférences des jeudis de l'histoire et du patrimoine. Alors, ce cycle a été voulu avec une philosophie particulière d'inviter des conférenciers spécialistes d'un sujet qu'ils ont travaillé en complément, je le dis toujours, des autres sociétés d'érudition que sont la société archéologique de Touraine, l'Académie de Touraine ou le Cercle généalogique de Touraine ou Maison Paysanne de France qui sont représentées ce soir. L'idée, c'est toujours de venir en complément et d'offrir au public de l'assistance une approche de sujets variés qui traitent aussi bien de l'histoire urbaine, architecturale, institutionnel, mais aussi social. Et c'est dans cette approche que nous avons invité Anne de Balmorche ce soir pour nous parler d'un sujet de société qui est donc l'histoire du tourisme et plus précisément son vecteur de mise en œuvre, c'est-à-dire le syndicat d'initiative de Tours, aujourd'hui appelé Office du tourisme. Alors, effectivement, Tours est capitale de la Touraine, est au cœur d'une région touristique reconnue et une région qui est forte de ses atouts naturels et historiques. Effectivement, hein, si l'on se reporte aux origines de la Touraine et plus particulièrement de notre ville, hein, on peut donc considérer que les premiers voyageurs ont été donc associés à la tradition du pèlerinage de Saint-Martin. Et le tourisme de passage, comme la conférencière va nous l'expliquer, s'est développé de manière très forte à la fin du 19e siècle, favorisé notamment par le chemin de fer. Mais pour recueillir le tourisme et pour lui proposer une offre culturelle, il a fallu se doter d'organismes spécialisés. Donc il y a eu un premier syndicat d'initiative créé à Château-Lavalière en 1890, mais il a fallu attendre 1905 pour que Tours se dote d'une structure pour faire connaître les beautés, les richesses naturelles et artistiques de la Touraine et de la ville de Tours. Alors ce soir, la conférencière, Madame Anne de Balmorche, est une spécialiste du sujet. C'est une collègue. On a même l'habitude de se tutoyer, chère Anne. Voilà, donc c'est une collègue conservateur en chef aux archives départementales d'Indre-et-Loire et nous saluons et nous remercions la présence de Madame la directrice des archives, Madame Diane Guedemonchal, qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. Alors, Anne a bâti une carrière riche et variée autour du patrimoine et de l'histoire, a commencé sa carrière à la ville d'Amboise, puis après au conseil départemental d'Indre-et-Loire, où Anne, tu as travaillé au service de l'inventaire, notamment avec un gros travail sur le canton de Château-Renaud. Neuville-Roi, pardon, voilà. Je pensais que Neuville-Roi, merci de cette rectification. Et puis, depuis 20 ans, un poste aux archives départementales, on va dire, sous la médiation culturelle et éducative. Et donc, à ce titre, Anne de Balmorche, tu mènes des opérations de diffusion, dont notamment tu conçois, tu as des expositions, des publications, des ateliers éducatifs. Et c'est dans ce cadre-là que les archives départementales ont réalisé, en 2016, l'exposition qui a été présentée à l'hôtel Gouin, 200 ans de tourisme en Touraine, accompagnée d'un très bel ouvrage qui est là sur un présentoir et que, si vous souhaitez, vous pouvez vous en rendre acquéreur. Et donc, Anne de Balmorche en a participé, a signé une très large partie de cette publication. Et enfin, pour signaler aussi la forte expertise de notre conférencière de ce soir,
Même si la modestie d'Anne Bavard devra être un tout petit peu, enfin, on va traduire cette modestie. Tu es présidente de la société historique du Cercle Ambatia. Voilà, donc, voilà, à Amboise, et donc, qui est la société historique d'Amboise et de sa région. Voilà, donc, je terminerai la présentation pour dire que le cycle de conférences de la ville de Tours dans le cadre des Jeudis de l'histoire du patrimoine confortera le partenariat avec les archives départementales d'Indre-et-Loire, puisque la conférence qui débutera le cycle de 2024, ce sera une collègue des archives départementales qui sera accompagnée d'Hervé Lestang et qui nous présentera un travail très intéressant sur l'histoire de la photographie à Tours aussi, qui mettra à profit tout le travail scientifique fait par les archives départementales, un établissement partenaire de la ville de Tours. Merci pour, à nouveau pour la contribution des archives départementales. Bonne conférence et bonne audition donc aux participants de la conférence. À tout à l'heure pour les questions. Merci Jean-Luc pour ces mots d'accueil. Donc c'est vrai que c'est toujours impressionnant aussi d'être dans cette salle des mariages, et puis surtout aussi d'être sous le regard de Victor Laloux, qui figure sur la fresque, puisque c'est l'architecte de cet établissement et qui regarde un peu le conférencier d'un petit air moqueur. Voilà, donc en effet, en 2016, les archives d'Indre-et-Loire ont conçu donc une exposition intitulée 200 ans de tourisme en Touraine. Donc ça a été un ouvrage collectif, hein, de l'équipe des archives, parce qu'il y avait en effet beaucoup à dire. Et c'est donc cette exposition montrait l'organisation touristique au niveau départemental. Donc en fait, mon propos donc aujourd'hui est de mettre l'accent sur l'organisation propre à la ville de Tours. Alors, à travers la promotion réalisée par l'édition de Premier Guide de Voyageurs, la création du syndicat d'initiative et son évolution en office de tourisme. Alors, je voudrais juste quand même redire la définition du touriste, hein, parce que le touriste est une personne qui se déplace entre deux emplacements géographiques, mais surtout qui effectue au moins une nuitée sur place. Donc, je veux dire, quand on habite la Touraine et qu'on va visiter un château, on n'est pas un touriste. Il y a cette notion de déplacement et de nuitée. Après, le tourisme, en fait, c'est l'organisation générale de promotion, enfin qui comporte également les établissements hôteliers, tout ce qui, donc c'est beaucoup plus large. Et l'avantage aussi de faire ce thème de conférence, c'est que là, les visuels ne vont pas manquer, et donc je vais pouvoir vous montrer beaucoup d'images. Donc voilà, cette illustration que vous voyez enfin est extraite du guide Conti, donc qui date de 1893, avec des illustrations du humoristique, puisqu'on voit monsieur devant, avec les personnes de l'hôtel chargées des bagages, et sa femme aussi, entre autres, qui est bien chargée. Donc les premiers guides ont été édités par les hôtels, et vous avez un exemple du guide de l'Hôtel de l'Univers en 1853. Et donc ce guide, dès la couverture, l'auteur du guide, Monsieur Duchemin, qui est maître de l'Hôtel de l'Univers. Il n'est pas maître d'hôtel, mais maître de l'hôtel de l'univers, explique un petit peu l'utilité de ce guide. Donc, je vais vous lire un petit peu quelques passages parce que je trouve que déjà dès 1853, enfin, les grands éléments sont dits. L'hôtel de l'univers à Tours, le plus beau, sans contredit, de la route de Paris à Madrid, offre à messieurs les voyageurs un aspect confortable qu'annonce l'aspect extérieur de ce vaste et remarquable établissement.
Pour plaire à sa nombreuse clientèle, Monsieur Duchemin a eu la pensée de lui faire hommage d'un petit livre intitulé « La ville et les environs de Tours ». Il a voulu que messieurs les étrangers puissent visiter les monuments et les curiosités de cette jolie ville et de ses environs charmants, sans recourir à des guides qui les trompent et les exploitent. Il y a déjà la concurrence avec d'autres guides. Muni de ce volume, on peut compter sur plusieurs jours d'agréables promenades, et les personnes qui voudront faire des excursions trouveront des voitures toujours prêtes et attelées dans la cour de l'hôtel. On pourra aussi s'y procurer des voitures de voyage. Monsieur Duchemin a fait faire pour les voyages en poste une feuille de route qu'il offre gratuitement et qui contient l'indication de tous les relais et la somme à payer pour chacun d'eux. Et ce qui est le plus important, interprète pour les familles anglaises, allemandes, espagnoles et italiennes. Donc oui, on est en 1853. Et dans l'introduction, donc, il évoque aussi les raisons de venir en Touraine. La Touraine est incontestablement une des contrées qui offre le plus de charme. Un climat tempéré, une nature riche et variée, quelque chose à la fois d'élégant, de doux et d'attrayant. Il n'est pas jusqu'au caractère des habitants qui ne se ressentent de l'influence bienfaisante de ce ciel exceptionnel. Entrez à Tours, examinez ce point de vue unique que vous offre la rue Royale, avec ses maisons d'une architecture si régulière et si belle. Entrez dans ces magasins aux brillants étalages, où l'affabilité du commerçant ne le cède en rien au luxe et à la variété toute parisienne des assortiments. Et vous serez forcé de convenir que si la nature a beaucoup fait pour ce beau pays, l'industrie et l'intelligence de l'homme ne sont pas restées en arrière. Dans ce petit volume, le touriste y trouvera des renseignements qui lui permettront de faire des délicieuses promenades. L'étranger qui éprouverait le désir de se fixer en Touraine pourra y puiser les éléments nécessaires, utiles ou simplement agréables dont il aurait besoin. Donc c'est intéressant aussi de voir déjà l'aspect économique hein, qui apparaît, puisque en fait ce n'est pas que l'étranger qui visite, mais l'étranger qui peut se fixer et contribuer à la richesse de la Touraine. Donc là, à côté, vous avez donc une vue de l'hôtel de l'univers, et puis un petit plan de Tours. Et à l'intérieur, donc, vous avez une présentation avec une gravure et un texte qui rappelle un petit peu la présentation des annuaires. Et ce qui est intéressant, vous avez les différents commerçants de Tours qui peuvent être utiles à des touristes. Nous avons notamment location de voiture. Et là, vous voyez English Spoken. In-house, un accent anglais délicieux, et puis également donc des coiffeurs, des cordonniers, et puis une boulangerie franco-anglaise qui propose des pains français, mais également des muffins et des sandwichs. Alors évidemment, un autre hôtel ne veut pas être, il y a aussi la concurrence entre les hôtels. Et donc là, c'est le grand hôtel du Faisan qui était situé rue Nationale et qui propose ce qu'il appelle un mémento offert aux touristes, hein, ce qu'on voit ici. Et en fait, il est membre du CTC et de l'Autoclub. Et le CTC, c'est une organisation anglaise, Cycliste Touring Club. Donc là aussi, on va voir l'importance des cyclistes. Et qu'est-ce que propose donc cet hôtel ? Il propose un peu l'essentiel pour un touriste, une bonne cuisine, également des moyens de locomotion, mais avec un garage qui permet de réparer les voitures. Et puis, le petit plus, une chambre noire pour les photographes.
comme maintenant, un petit peu quand on est sur Internet, vous avez l'essentiel et puis le petit plus qui va permettre d'attirer les touristes. À l'intérieur, donc, le même principe, sauf que là, c'est début 20e. Il n'y a pas de date, hein, donc c'est pas évident, mais comme bon, il y a l'utilisation de la photographie, je pense que donc il est beaucoup plus tardif que 1853. Et donc il propose des excursions, mais qui vont jusqu'à Blois et Chambord. C'est un petit peu ce qu'on va retrouver, le côté tour centre des excursions qui permet quand même d'aller assez loin. Et en fait, en bas de page, c'est quand même un guide d'hôtel. Il met en avant l'avantage de venir à l'hôtel du Faisan, alors ce problème, c'est que c'est tellement petit là, c'est que j'ai un peu de mal à voir. Un des plus anciens et le plus renommé de la ville. Et également, il propose un garage pour les voitures et les cyclistes. Ensuite, dans les guides d'hôtel, de nouveau le guide de l'hôtel de l'univers, mais celui-ci date du début 20e siècle. Il est d'une taille beaucoup plus grande, hein, puisque il fait à peu près un 15 sur 17 cm, donc ce n'est pas vraiment le guide qu'on peut mettre dans sa poche. Et alors vous avez, c'est l'hôtel de l'univers, donc ça, vous avez un décor très joli, c'est une vue de Tours, hein, vous avez le pont de Tours et la cathédrale, en doré. Vous avez une impression en relief d'une sculpture de Georges Delperrier qui représente la Tour Angèle, une sculpture qui avait été réalisée en 1899 avec la coiffe de Touraine et son corsage est en fait fait avec le motif d'une grappe de vigne. À l'intérieur, donc, une gravure de Tours. Et puis, on trouve... alors là, vous avez justement la traduction allemande du guide. Là, si vous avez du mal à lire, c'est normal, hein, c'est en allemand. Et donc, vous avez une présentation de l'hôtel de l'univers avec tous ses avantages. Ensuite, une illustration photographique. Et ce guide, en fait, est payé par les annonces publicitaires telles que vous les voyez ici pour la maison Victor Jouet, qui était donc vendait des meubles, vendait pas des jouets. Et à la fin, un plan, donc est sur une sorte de papier calque. Là, vous avez un plan de la ville de Tours. Là, un plan du département. Ça va même un petit peu au-delà du département. Et une vue ancienne de Tours avec une légende qui est un petit peu amusante. Reproduction en réduction d'une curieuse estampe de 1620. Donc, je pense curieux peut-être au sens de qui attire la curiosité. Donc, voilà ce guide quand même qui était déjà très complet avec la description des monuments et le plan. Ensuite intervient donc le rôle du Touring Club, puisque là donc il n'a toujours pas le syndicat d'initiative et donc le Touring Club, ce sont des associations comme le Touring Club qui vont permettre de faire émerger un réseau d'accueil touristique. Et surtout, il y a quand même un lien important avec la Touraine, puisque le Touring Club est créé en 1890 par Abel Balif, qui est né à Tours en 1845. Et donc, en fait, il se donne aussi, le Touring Club de France donc, va,
va protéger et faire connaître le patrimoine touristique, mais également il a un petit peu un rôle de, j'allais dire, de sécurité routière pour les cyclistes ou pour les automobilistes. Ainsi, il y avait un virage dangereux du côté de Château-Renaud et le Touring Club va financer des panneaux pour aider à signaler ce virage et donc un petit peu favoriser aussi les déplacements. Donc là, vous avez une lettre du 16 août 1912 qui est adressée à Abel, par Abel Balif au maire de Tours. Donc vous voyez sa signature, Abel Balif, et qui a une très belle écriture, hein, très, très lisible. Et il demande à la ville de Tours d'adhérer au Touring Club pour la somme de 200 francs. Donc va émerger le syndicat d'initiative, donc on va pouvoir un petit peu voir de différentes manières. Donc d'abord c'est les missions et l'organisation, l'action de ses membres, les bâtiments et également le personnel avec les hôtesses d'accueil. Alors en 1905, donc est créé le syndicat d'initiative de Touraine. Dans quel but ? Dans le but de faire connaître les beautés et les richesses naturelles ou artistiques de la Touraine, il s'efforce notamment d'attirer les visiteurs étrangers dans cette région et de les retenir en leur rendant le séjour agréable et facile. Donc là, c'est vraiment les maîtres mots du tourisme, attirer et ensuite qu'ils puissent séjourner, les retenir une nuit et même beaucoup plus. En 1910, c'est parce que le document date de 1910, peut-être qu'il l'avait fait avant, mais on n'a pas forcément une trace écrite, ils vont donc définir les moyens d'action pour attirer et retenir les touristes. Nous publierons un guide renfermant la description sommaire de toutes les choses remarquables de notre beau département, sites, monuments, musées, art, industrie. Donc, vous voyez toujours l'aspect économique. Et nous répondrons abondamment par ce guide, et nous répondrons abondamment ce guide par les relations que nous nous sommes créées avec les hôtels, les agences de voyage, les compagnies de chemin de fer et de navigation et les autres syndicats. Nous ferons placer des affiches dans le monde entier. Et assez modeste, éditer des albums qui seront également distribués de tous les côtés. Nous aurons recours dans toute la mesure du possible au concours bienveillant de la presse qui, nous en avons la certitude, nous est dès maintenant acquis. Nous apporterons notre concours aux réunions sportives, aux manifestations artistiques et aux besoins nous les provoquerons. Et surtout, le plus important, nous installerons un bureau de renseignement où se tiendra en permanence un agent rétribué et où les touristes trouveront les renseignements les plus détaillés sur les excursions à faire, les monuments à visiter, les moyens de transport à employer, les horaires des chemins de fer, les tramways, les listes d'hôtels, de loueurs de voitures, de bicyclettes et d'automobiles. Donc, qui sont les membres de ce syndicat d'initiative en 1910? Donc, le président est Paul Lesourd, avocat, et dès le début, il y a 5 vice-présidents. Donc, c'est presque un directoire, en fait, hein, qui dirige ce syndicat d'initiative. Le secrétaire général est Georges Chevrel, directeur de l'institution Charlemagne. Et l'archiviste est Louis de Grandmaison, qui est l'archiviste du département d'Indre-et-Loire et président de la Société archéologique de Touraine. Et dans le comité, vous avez des représentants des associations culturelles, mais aussi sportives. Et dans le comité d'honneur, vous avez donc les maires, les députés, mais également donc le président du Touring Club de France. Ensuite, en 1910, en 1920, donc Georges Chevrel
qui était secrétaire, est devenu président. Et il est en plus non seulement directeur de l'Institut Charlemagne, mais secrétaire de la Société de géographie de Tours et du comité de Tours de la Loire navigable. Il y a toujours 5 vice-présidents, représentants de la culture et du sport. Et là, il y a quelque chose qui est un petit peu amusant. Louis de Grandmaison est secrétaire général. Il est, en plus d'être président honoraire de la Société archéologique de Touraine, il est président du comité des sites et monuments pittoresques d'Indre-et-Loire. Et l'archiviste est Louis Lemarié, négociant et commerçant de tissus. Et ses publicités, d'ailleurs, figurent dans le guide du syndicat d'initiative. Donc, c'était rue Nationale. Et bon, pour les Tourangeaux, moi, je suis arrivée à Tours en 85 et j'ai le souvenir d'une maison, le Marié Fouché. Donc, je suppose que c'était les successeurs. Et également aussi, parmi les membres du comité, il y a Jules Délisse, qui est imprimeur, notamment des annuaires, et qui est ancien président de la Chambre de commerce de Tours et président de la Société photographique de Touraine. Donc on verra aussi dans l'édition des guides le rôle de la société photographique et des représentants de l'Automobile Club de Tours. Ensuite, donc en 1922, les statuts du syndicat d'initiative vont être modifiés. Donc on retrouve dans l'article premier les mêmes missions, faire connaître les richesses naturelles, attirer les visiteurs, les retenir. Et en fait, les missions qu'on avait vues qui étaient à part vont être vraiment mises dans le premier article du syndicat d'initiative comme fondamentales, à savoir que le syndicat d'initiative tend à provoquer l'amélioration ou la création de moyens de transport, à favoriser dans l'intérêt de tous le développement de l'industrie hôtelière. Il entend fournir une aide efficace à toutes les initiatives ou manifestations locales susceptibles de concourir à la prospérité économique et à la réputation touristique de la ville de Tours et de sa région. Donc à cette époque, en 1922, le président est le comte de Rochas et Louis de Grandmaison, lui, devient vice-président. C'est vrai qu'on a une petite tendresse au niveau des archives pour Louis de Grandmaison, donc pour ça qu'on... Puis oui, il a eu un rôle important aussi dans cette partie touristique. Alors ensuite, le syndicat d'initiative de Touraine devient ESSI. Alors au début, j'ai vraiment pas compris ce que voulaient dire ces initiales. Et en fait, c'est la manière de prononcer les lettres S et I. C'est la même chose que pour l'essence ESSO, qui vient de l'anglais Standard Oil. Donc c'est un peu tiré par les cheveux quand même, hein, ce terme ESSI, mais qui a duré assez longtemps, hein, puisqu'on voit des années 30 et également après la guerre. Donc c'était une sorte de, comment dire, d'affiliation, en fait. Les syndicats d'initiative étaient ESSI. Et donc en 1957, donc vous avez le nouvel... comment dire, en tête, du syndicat d'initiative de Touraine. Et en fait, je voulais parler du rôle de Paul Métadier, qui va être président du syndicat d'initiative pendant 20 ans, de 1953 à 1973. Donc, en 1950, il avait écrit un livre intitulé « Propos sur le tourisme », et où il a démontré que le tourisme était un facteur de prospérité économique, et c'était d'autant plus difficile à faire passer comme message, c'est-à-dire qu'en 1950, on est à l'époque de la reconstruction, donc en fait, ce qui est important, c'est que les gens aient des logements, et donc il a
démontré que si on mettait un petit peu d'argent dans la promotion touristique pour faire venir les touristes étrangers ou même de France, ils allaient concourir à la prospérité économique de la Touraine. Bon, l'avenir lui a donné raison, mais c'était un argument qui, en 1950, n'était pas facile à faire passer. Et Paul Métadier était également membre du comité départemental de publicité touristique. Parce que, à partir des années 50, va être créé le comité départemental touristique, qui va plus être responsable de certains monuments de Touraine et également des hôtesses de Touraine pour les excursions. Mais si vous voulez, comme maintenant, le rôle des deux organismes était lié, si vous voulez. Donc, Paul Métadier a eu un rôle important et en 1959, donc, dans ce document, il écrit à l'adjoint au maire de Tours et il évoque la publicité faite par le syndicat d'initiative pour la ville de Tours. En 1966, donc, le syndicat d'initiative est affilié à Accueil de France. Et surtout, on verra plus tard, un nouveau bâtiment est construit devant la gare. En 1973, donc, de nouveaux statuts sont élaborés. Il va avoir plus un rôle d'animation, donc anime et coordonne sur le plan local les diverses activités se rapportant au tourisme, contribue donc par une propagande judicieuse, donc c'est amusant dans vous voyez le mot propagande en 1974 et pas publicité ou promotion, à la mise en valeur des richesses naturelles et artistiques, et surtout il maintient les traditions et le folklore. Et à cette époque, c'est Jean Vivien qui est président. En 1985, donc, il devient officiellement Office de tourisme de Tours. Hein, l'appellation syndicat d'initiative va disparaître. Et il fait toujours partie de l'Accueil de France. En 1993, c'est plus une interprétation un peu graphique, on voit que le logo devient multiple, hein, que l'information se développe. Et c'est surtout aussi, donc en 1993, où on voit enfin apparaître des femmes dans le bureau du syndicat d'initiative. Donc Véronique Moreau, qui a été conservatrice au Musée des Beaux-Arts, qui est secrétaire générale adjointe, et trois femmes, alors dont là que je ne connais pas, peut-être que vous dans l'assistance, ça vous parlera plus, Marie-Thérèse Mallier, Annick Bor et Hélène Laine, qui sont membres du bureau. C'était peut-être aussi des personnes qui étaient responsables d'hôtels, hein, parce qu'il y avait beaucoup l'association. Donc voilà, 1993 hein, quand même. Et en 1997, là on arrive avec l'organisation actuelle. Donc c'est une société d'économie mixte qui a le nom de l'IGERIS, qui a pour objet donc le développement et la coordination des actions touristiques de Tours et de la Touraine, l'accueil et l'information des touristes, et également participe en synergie avec la SEM Vinci concernant les congrès. Elle est composée de 12 membres, donc le maire de Tours, la société Tours Promotion, la société Alizé Parc, donc ça c'était le nom de Fabrice Durand-Alizé, qui était directeur de l'aquarium et des mini-châteaux, la Caisse d'Épargne, ensuite les transports Pivoine, la Compagnie des autocars de Touraine, la société Jean Bardet, Havas Régie, la Banque CIO, la société Charles Barrier, Michel Saint-Aubin, alors là je ne sais pas qui était Michel Saint-Aubin. Non, bon. Voilà. Parce que là, il apparaît vraiment avec son nom propre. Hein. Ce n'est pas une société. Et quand même, l'Office du tourisme de Tours. Voilà. Donc, voilà pour l'organisation. Ensuite, les lieux d'accueil. Donc,
Le syndicat d'initiative au début du siècle était situé 13 rue de Clocheville, mais on n'a pas de représentation, on n'a pas d'image de ce bâtiment. Donc il s'installe ensuite 88 rue Nationale, et la photo donc figure sur le dépliant promotionnel de la ville de Tours, qui nous indique un peu l'architecture du bâtiment style Art Nouveau. Même décoration qu'on va trouver sur les dépliants. Et donc, vous avez la version française et la version anglaise. Au bureau de renseignement du syndicat d'initiative, tout visiteur de la Touraine est assuré de trouver, avec l'accueil le plus courtois, mais avec une petite faute d'orthographe à accueil, les renseignements les plus variés sur la ville et la région, les beautés naturelles et architecturales, les moyens de transport, les excursions au château, les manifestations ou distractions locales, les indications pratiques sur la vie matérielle, les adresses des hôtels, restaurants, pensions, maisons de commerce, établissements industriels. Toujours hein, l'importance de l'industrie. Touristes et voyageurs arrivant à Tours, venez au syndicat d'initiative, vous ménagerez vos pas et vos recherches. Et donc, vous avez la même chose en anglais. Et ce qui est amusant, enfin pour un peu l'histoire de la langue, c'est que le mot « château » reste en français. Hein, on ne dit pas « castle ». Et pareil, dans les guides, on dit « château of the Loire ». Ensuite, le syndicat d'initiative... Pardon, je vais prendre ma bouteille d'eau parce que j'ai... On doit avoir une carafe d'eau et un beau verre, je suis désolée, c'est pas très élégant. Voilà, donc la vue extérieure, donc vous voyez où il était situé, hein, dans des constructions provisoires. Dans des constructions provisoires d'après-guerre. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc syndicat d'initiative de Touraine, mais vous avez le titre en anglais qui est quand même sur le... c'est pas le fronton, les mots me manquent, c'est pour ça que j'ai bu un verre d'eau, sur le bâtiment lui-même. Et donc, il est un petit peu décalé, 98 rue Nationale. Donc, à l'intérieur, donc le rôle de la vitrine... Hein, je veux dire, qui existe toujours hein, maintenant aussi dans tout syndicat d'initiative et office du tourisme. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir la double mission hein, du syndicat d'initiative, à la fois faire connaître les richesses, les curiosités au Tourangeau, et également... mettre l'accent sur les étrangers. Et donc là, c'est une vitrine qui est consacrée au musée du Grand Pressigny, hein, vous avez les silex, et donc sur l'affiche, « Tourangeau, connaissez-vous les musées de votre province ? Voici le musée de la préhistoire, âge de la pierre taillée, du Grand Pressigny. Visitez-le et recommandez-le aux 250 000 touristes qui chaque année maintenant, on visite la Touraine, hein, on est dans les années 50. Donc, autrefois, on appelait ça être ambassadeur un peu de son patrimoine, et c'est ce qu'on retrouve maintenant avec le rôle des influenceurs hein, qui vont visiter un monument, qui postent leur visite et qui, de cette manière, font venir des personnes dans les lieux touristiques. Et à l'arrière-plan, c'est une affiche pour promouvoir l'Institut de Touraine. L'Institut de Touraine a joué un grand rôle hein, dans l'essor touristique, hein, puisqu'il était destiné à faire apprendre le français à des étudiants étrangers, et avec un slogan propre à la Touraine, « Étudiants, venez à l'Institut de Touraine, au plus pur de la civilisation, de la langue, de la lumière et des paysages de la France. Hein, » Toujours cette idée que c'est ici qu'on parle la langue la plus pure. Enfin, le français le plus pur, en tout cas. Et donc, à l'intérieur, donc, vous voyez une personne derrière un comptoir voilà, qui renseigne les visiteurs.
Donc en 1966, donc un bâtiment que voilà que beaucoup de personnes ont connu, hein, puisqu'il donc avant la construction du bâtiment actuel, qui était placé situé place de la gare, donc un bâtiment circulaire en fait. Ça a été aussi une mode à une époque, hein, pour les syndicats d'initiative, hein, puisque celui d'Amboise a une forme circulaire, celui de Vouvray aussi. Et donc vous avez les photos de Jean Royer, donc maire de Tours, et de Paul Métadier, donc le jour de l'honneur de l'inauguration, pardon, et donc qui s'entretiennent, puisque Paul Métadier était à cette époque président du syndicat d'initiative de Touraine. Ensuite, l'intérieur de l'office du tourisme, donc une charmante hôtesse avec le costume très hôtesse de l'air, justement. Et donc, vous avez une vue en couleur. Donc, cette forme circulaire avec une vue ancienne, hein, toujours le rappel de Tours, ville historique, enfin, à juste titre d'ailleurs. La vitrine avec des objets tourangeaux. Et puis, là, ça va, elles ont plus rien sur la tête. Elles ont une tenue un petit peu plus simple. Il y a un espace, donc, très, très lumineux. Alors donc là, je vais vous parler des hôtesses de Touraine, puisque elles étaient à la fois, elles étaient sous la responsabilité administrative du comité départemental de Touraine, mais travaillaient donc avec le syndicat d'initiative. Et vous avez représenté ici Paul Tando, qui est hôtesse et qui va être ensuite directrice du syndicat d'initiative de Tours. Et donc, vous avez sur cette carte publicitaire, là, qui date de 1957, et notez leur mission. Les hôtesses de Touraine vous renseignent gracieusement sur tous les problèmes que pose votre séjour au pays des châteaux. Adressez-vous au syndicat d'initiative, aux gares de Tours, bureau spécial service touristique et dans les grands hôtels. Donc, elle porte un uniforme, tailleur, chemisier blanc, escarpin et gants blancs. Alors, leur coiffure a évolué. Au début, elle portait un béret, un peu d'inspiration parachutiste, puis ensuite un petit calot, et à partir des années 60, un chapeau rond avec un écusson avec des fleurs de lys. Et là, cette photo a été prise devant le château de Chenonceau, et vous avez à gauche Bernadette Dasque, qui a été responsable pendant 30 ans du service des hôtesses de Touraine, qui heureusement a pris très tôt le nom de guide interprète, parce que Bernadette Dasque, que j'ai eu la chance de, enfin, que je connaissais quand je suis arrivée en Touraine, mais que j'ai pu rencontrer, qui a apporté beaucoup de renseignements pour l'exposition de 2016, n'aimait pas du tout ce nom d'hôtesse. Et donc, en effet, parce que en 1959, le comité départemental de publicité touristique va définir le rôle des hôtesses, leurs devoirs et la manière dont elles doivent porter l'uniforme. Alors, en fait, vous avez le profil de poste qui est défini. Le rôle des hôtesses de Touraine, multiple et varié, est difficile à jouer. En effet, c'est à leur éducation, tenue, instruction générale, connaissance particulière de l'histoire de France, de l'art, des langues vivantes, à leur distinction personnelle, leur dévouement, la résistance physique et encore à la qualité intuitive et spontanée qui les fait appel. Le poste d'hôtesse n'est pas un passe-temps pour jeunes filles sensibles et versatiles, mais un métier qui s'apprend, s'exerce et procure de grandes satisfactions. Qualifiées, elles jouissent de la considération très étendue des services auxquels elles sont attachées, d'une certaine liberté d'action, et de la sympathie cordiale et courtoise des personnes qu'elles sont appelées à fréquenter. Elles sont par conséquent des collaboratrices d'exception. Bon. Ensuite, vous avez un portrait de la femme, qui est quand même, heureusement que ça a changé un petit peu.
Elles doivent avoir une personnalité développée, mais rester cependant impersonnelles dans leur rapport avec le public. Leur comportement général devra être empreint de la plus grande correction, un maquillage discret de rigueur et le vernis à ongles nécessaire, car l'hôtesse est appelée à parler avec ses mains en commentant un monument, voilà, ou les objets qui les ornent. Il ne leur est pas tant demandé de savoir sourire que d'avoir un maintien plein d'aisance et de grâce. Alors les bracelets, à part les bagues de fiançailles et les alliances, sont interdits. Les hôtesses doivent attacher une importance extrême à leur démarche. Elles ne doivent jamais aider un homme à mettre un vêtement. Elles doivent s'abstenir de fumer, sauf après un repas, si elles en sont priées. En toutes circonstances, elles ne devront oublier qu'elles sont les représentantes des services préfectoraux. Elles devront s'exercer sans relâche à l'art de parler en public. Et quand même, enfin, ce qui est peut-être un peu le plus important, elles doivent ensuite pouvoir prendre d'heureuses décisions en cas d'urgence, d'accident en particulier. Et alors, il y a un petit paragraphe sur l'uniforme. La distinction avec laquelle ces uniformes sont portés est le plus sûr garant de l'attention qui leur sera accordée. Le port de l'uniforme est plein de sévérité, cependant la rigueur s'impose, car cet uniforme revêt une forme de grandeur, voire même de très rare élégance. Cette rigueur impose deux impératifs, la veste doit être boutonnée, et le port de la coiffure, hein, c'est-à-dire ce qu'on a sur la tête, est impératif à l'extérieur et même à l'intérieur. Et le port des gants et des bas est obligatoire. Et ça arrive un peu comme des cheveux sur la soupe. Elles devront se présenter aux heures de service un quart d'heure avant de prendre leur travail. Donc voilà ce règlement qui a été établi par Raymond Rose, qui était le délégué départemental au tourisme, qui était un ancien militaire et qui, heureusement, quand même, a fait des choses quand même plus importantes et plus efficaces que ce règlement. Et donc, on voit là, c'était lors d'un repas, une rencontre avec des personnes du tourisme. Donc là, vous avez Bernadette Dasque, qui, comme le règlement l'indique, porte son petit béret sur la tête, bien qu'elle soit à l'intérieur. Donc, les directrices de l'Office du tourisme, parce que là aussi, c'est quand même amusant, les présidents du syndicat d'initiative sont des hommes et les directrices de l'Office du tourisme sont des femmes. Donc, vous avez Paul Tandeau, dont je vous ai parlé, qui a eu une carrière qui a été hôtesse en 1955, hein, comme on l'a vu sur la carte, directrice en 1965, et qui a cédé la place en 1994 à Monique Casadjou, que j'ai connue d'ailleurs, et qui elle aussi a été hôtesse, chef hôtesse et directrice. Et il y avait une opération assez originale qui s'appelait l'opération tasse de café. Et en fait, c'était quelque chose qui se faisait dans les différents offices du tourisme accueil de France. Tous les jeudis au mois d'août, les touristes étrangers étaient invités à se faire connaître. Et on leur remettait un carton de liqueurs et de gâteaux. Et ensuite, ils se rendaient chez des familles françaises, enfin, familles françaises, chez des familles tourangelles, qui s'étaient fait connaître pour faire connaissance. Alors, autour d'une tasse de café ou de toute autre boisson. Voilà, c'était un peu pour faire du lien avec la Touraine, les habitants. Donc, une mission donc très importante hein, des syndicats d'initiative, hein, attirer et retenir le tourisme, enfin, surtout attirer, donc promouvoir la Touraine. Alors, par quels moyens? Alors, je suis désolée de vous faire un peu de lecture, mais j'ai trouvé un texte des années 30 dans les archives
du syndicat d'initiative aux archives municipales, qui date donc des années 30 et qui explique ce qu'est la propagande touristique. Et je trouve que ce texte est vraiment d'une actualité incroyable, parce que je trouve que c'est vraiment un petit peu les mêmes moyens, et c'est le style qui est amusant. Dans les collectivités modernes, la propagande, donc au sens de publicité, hein, alors il parle de la publicité en général, hein, pas que la publicité touristique. Donc la propagande influence les citoyens du berceau jusqu'à la tombe, si on peut ainsi s'exprimer. Depuis le moment où un être commence à prendre conscience de ce que signifie une image, jusqu'à celui où la vue la plus basse de la vieillesse peut encore déchiffrer un texte. La propagande touristique est susceptible à un plus haut degré que la publicité commerciale, car elle contribue à ouvrir les yeux du public sur ce qui est beau, sain et bon. Alors, il y a deux sortes de propagande touristique. La propagande proprement dite, qui a pour objet principal d'éveiller l'intérêt du public. On utilise pour cela des belles images, des vitrines attirantes, des insertions publicitaires frappantes, des affiches à couleurs multiples. De toutes les formes de publicité énumérées, les brochures et les dépliants sont les plus vitales. Elles constituent le lien direct entre, d'une part, l'organisme de propagande touristique et les bureaux de voyage, et d'autre part, le public lui-même. Et ce n'est pas sur cette partie que l'on doit faire des économies. Et donc, à notre époque, quand on va dans un office du tourisme, on nous remet toujours un dépliant papier. C'est un peu la première chose, même s'il y a beaucoup d'informations sur Internet, on voit qu'il y a toujours ce dilemme entre le dépliant papier. Bon, pour annoncer la conférence, vous avez fait des dépliants papier. Donc et là, on est en 1930. La seconde forme est l'information. Grâce aux listes d'hôtels, aux cartes, au plan des villes, aux horaires des moyens de transport. Il faut que les voyageurs désirant visiter un pays étranger sachent comment s'y rendre, les conditions de vie, où séjourner, comment se distraire, quel sport pratiquer, où se trouvent les attractions touristiques, ainsi qu'une documentation concernant les aspects historiques, culturels et sociaux. Donc là aussi, il n'y a pas que l'information, je veux dire, des monuments ou des hôtels, il y a aussi un aspect social, comment vivent les habitants, c'est ce qu'on retrouve aussi dans les guides actuels. Et alors là, cette phrase-là, quand même, elle est très belle. Si ce service de renseignement est intensifié, les divers peuples apprendront à mieux se connaître, il sera un lien dans le cadre des efforts entrepris pour créer une unité et une cohésion dans un monde plein d'opposition. Donc là, c'est malheureusement cette vision un peu d'union entre les peuples, bon, en 1930, a un petit peu tourné court. Et ce matin, j'entendais, par rapport à la promotion, sur France Bleu, il y a eu une sorte de bilan de l'agence départementale touristique sur le tourisme et la diffusion. Et la directrice de l'ADT me disait il faut mieux diffuser notre information. On n'est pas assez connu. Alors la journaliste demande, oui, mais par quels moyens vous voulez quand même mieux diffuser? Et elle a répondu « être visible par le choix des images et les éléments de langage ». Donc, on va voir là, à partir du début du XXe siècle, quels étaient un petit peu ces éléments de langage qu'utilisait le syndicat d'initiative de Touraine. Donc, la brochure. Donc là, vous avez un exemple de la première brochure, donc « Tours, château de Touraine ».
et à l'intérieur, donc en, les insertions publicitaires pour l'hôtel Métropole et surtout pour les moyens de transport. Ensuite, bon, des petits descriptifs des différents monuments, toujours une mise en avant de l'automobile. Les billets de chemin de fer avec les meilleures combinaisons pour trouver le bon billet, des prix attractifs, et les pensions de famille, et surtout donc une indication des sociétés sportives. Hein, l'importance, en effet, lorsqu'on est touriste, de voir si on peut pratiquer aussi des activités sportives, hein, pas simplement visiter des monuments. Là, j'ai bien aimé le minibus là, de l'époque, là, 1910. Et vous avez donc la visite des châteaux de Touraine avec des horaires entre 9h et 16h. Hein, donc, il n'y avait pas forcément de fermeture à midi. Donc là aussi, et on est en 1910. Ensuite, donc un guide album grand format, donc le rôle de la société photographique de Touraine. Donc vous avez une illustration, donc une gravure de Robert Chaliel qui montre la lanterne de Rochecorbon avec à l'arrière-plan la ville de Tours et la cathédrale, et toujours cet encadrement floral très joli avec la grappe de vigne, donc le vin. Ensuite, les photos des principaux monuments, et là vous voyez un petit peu les insertions publicitaires voilà, qui sont dans une manière un peu plus artistique que dans les guides plus précédents. Voilà, à l'intérieur, donc une présentation des monuments, et puis ce que j'appelle des vues en mosaïque des différents monuments de la ville de Tours. Et donc, pareil, alors quels sont les éléments de langage de l'époque ? À Tours, la vie est calme, enjouée, élégante. C'est marrant, on retrouve toujours ce terme d'élégant hein, en Touraine. Le séjour est enchanteur. Sa situation au milieu des magnifiques châteaux de la Loire, au cœur des plus belles vallées de la Touraine, en fait un centre d'excursion incomparable. La visite de la ville offre à l'archéologue, au peintre, à l'artiste, au photographe, aux curieux, de nombreuses ressources. Et le touriste a peine à épuiser pendant une quinzaine de jours le vaste programme d'excursion facile et intéressant. Voyez, donc retenir le touriste pendant 15 jours. En 1933, donc on fait appel à un slogan plus historique et patriotique. Visiter la Touraine, c'est revivre un passé glorieux. Donc vous avez sur cette page, oui non je crois que c'est celle-ci, parce que je vois pas très bien, les distractions qui sont offertes. Donc vous avez, ça m'amusait, les conférences des sociétés savantes, la grande semaine de mai, la chasse, la pêche et les sports, alors c'est quand même des sports un peu élitistes, le golf, le tennis, le vélodrome, les salles d'escrime, le centre d'aviation, des régates, des courses de chevaux et du canotage. Ensuite, les spécialités gastronomiques. Alors vous avez les rillettes, les pruneaux et des alberges. Est interactif, est-ce que certains savent ce que sont des alberges? Ben c'est en fait un fruit qui ressemble à la fois à une pêche et un abricot. Apparemment, c'est un fruit, je sais pas, qui n'existe plus. Mais donc, là, on est dans les années, oui, en 1933. Donc, pourtant, voilà, c'est un fruit qui a vraiment disparu. Et dans les industries, on met en avant les faïences d'art, les soieries, l'imprimerie d'art, les cuirs de Château Renaud et les papeteries de la Haie des Cartes. Voilà le slogan, Tours, voilà, centre d'excursion, donc, comme je vous l'ai dit, qui va jusqu'à Blois et jusque un petit peu le Maine-et-Loire.
Ensuite, à partir des années 60, on va utiliser un autre slogan, Tours, la clé de 100 châteaux. En fait, on fait appel, on interpelle un peu le visiteur. Il peut ouvrir un peu la porte du château comme s'il était propriétaire. Et puis, la clé renoue avec les énigmes historiques, un peu au secret du passé. Et d'ailleurs, sur ce dessin, sur cette clé, vous avez une des tours qui orne le blason de la ville de Tours. Hein, donc, vous voyez, c'est quand même un dessin très raffiné. Donc, cette clé qui ouvre, et je dirais qu'on retrouve un petit peu maintenant dans la diffusion des escape games, hein, où il faut voilà, trouver la clé qui permet de sortir. Donc, vous avez le rôle d'un illustrateur, Jean-Adrien Mercier, qui a fait ce dessin très joli, qui représente la cathédrale de Tours. Et cette clé va ouvrir différents châteaux. Donc, vous avez le château d'Amboise, le château de Chenonceau, ensuite Azay-le-Rideau, Villandry, Langeais et le Guépéan. Et dans la partie droite, vous avez Chaumont, la porte des Cordeliers à Loches, le Plessis, Saumur et la lanterne de Rochecorbeau. Donc, ça va être diffusé sous forme d'affiches, de dépliants. Et à l'intérieur du dépliant, donc vous avez le plan de tour, la petite flèche qui indique, petite pancarte, l'emplacement du syndicat d'initiative. On est dans les années 60, hein, il n'a pas encore déménagé, il n'est pas encore place de la gare. Et la ville est divisée avec la partie ouest et la partie est. Et quand on rabat ces pages, vous avez les distractions culturelles. Et là, les activités sportives avec le rôle des piscines et des plages, hein, puisque vous avez différentes plages en bord de Loire ou en bord de Cher qui sont citées. Alors là, c'est un petit clin d'œil parce qu'il y a eu un mécénat culturel et donc en 1974, il y a un dépliant qui s'intitule « Le Vieux Tour », avec une impression en noir et blanc, enfin, que je trouve un peu tristoune, un peu vieillotte, hein, puisqu'on est en 1974. Et en fait, c'était sponsorisé par Coca-Cola, qui avait fait aussi le Vieil Annecy, enfin, qui a fait sur ce modèle des dépliants sur la ville de Tours, enfin, sur les différentes villes de France, pardon. Ensuite, donc toujours cette bivalence hein, qu'on va retrouver, Tours, une ville d'histoire, mais également cité de demain, hein, puisque là, on est un petit peu dans les années 80. Donc, vous avez l'indication, vous voyez, du pavillon circulaire hein, de l'office de tourisme qui est maintenant sur la place de la gare. Et puis la liste des monuments. Tours, ville de congrès, là donc vous avez un dépliant, j'allais dire, un petit peu plus abstrait. Et puis là, on va trouver le dépliant qui met en valeur, j'allais dire, tout ce qu'on a entendu depuis 1910, les beautés et richesses naturelles, donc une vie de paysage, les moyens de locomotion pour le tourisme. Et là, c'est un peu le début de la Loire en vélo. Donc, on revient au cyclisme, mais là, cyclisme choisi. Et puis, le côté, donc le vin et la gastronomie. Donc le syndicat d'initiative, dans ses missions, mettait en avant donc les congrès. Donc vous avez une vue en 1910 du congrès préhistorique de France avec la photo de famille. Donc vous voyez, il y avait même des enfants, puisque après pour les visites, les familles pouvaient être invitées.
Et puis, pour terminer, le congrès de la presse latine, parce que, en fait, il y a, là, on est en 1933, et c'est peut-être un peu le supplice de Tantale. En fait, ce qui est important dans ces congrès, c'était les banquets. Alors, vous avez le menu au Grand Hôtel, donc le comment dire. Alors, c'est amusant parce que vous avez pas mal d'entrées, vous avez caviar, melon, huîtres, écrevisses, baguettes de parmesan, de la truite, de la viande tournedos, un faisan rôti, un délice de foie gras givré. Donc c'est amusant, leur trou normand, en fait, c'est du foie gras froid. Et alors par contre, au niveau des desserts, j'étais un peu déçue. Pas vraiment des gâteaux, hein. Une corbeille de fruits. Mais en fait, il y avait eu un banquet de clôture au congrès de la presse latine qui a eu lieu à l'Hôtel de l'Univers. Alors là, le journaliste a dû participer au repas parce que vous allez voir la manière dont il le décrit. Alors la grande salle à manger était artistiquement décorée de fleurs et de drapeaux. Un orchestre joue pendant le repas. L'harmonie des sons ne gâte pas celle que nous apporte une suite de mets de la cuisine la plus exquise. Vantons la finesse de ce turbotin braisé, aluré d'écrevisses, de goujons frits en pâte et de moules, qu'accompagne un clos-chevrier Rochecorbon 1919, hein, on est en 1930. Savourons cette poularde de Bresse, si savamment piquée de jambon, et que fait ressortir merveilleusement le Bourgueil 1921. Magnifions ce faisan flanqué de perdreaux sur canapé fourré, que nous avons largement arrosé d'un champigny Pinot de 1918. Félicitons le chef de l'univers, Monsieur Pinot, et le sympathique directeur, Monsieur Dutronc, qui nous réserva une surprise artistique de haut goût. Voilà que les serveurs apportent les pêches Melba et les coupes sont enchâssées dans des statues taillées dans des blocs de glace qui représentent la Louve romaine allaitant Romulus et Rémulus. Voilà le dessert somptueux de l'Hôtel de l'Univers. Donc pour conclure, on ne peut que reprendre les termes employés par le journaliste dans l'article de 1930, qui définit donc le rôle du syndicat d'initiative. Il est certain que les représentants des 26 nations réunies à Tours emporteront de notre ville un souvenir durable dont toute la Touraine ne pourra que profiter. Le mérite en reviendra en grande partie au syndicat d'initiative, aidé pécuniairement par nos hôteliers, toujours prêts à payer de leur personne pour développer le tourisme en notre belle Touraine, si fière de ses monuments splendides et de ses sites incomparables. Et donc après, on n'avait même plus besoin de parler de sites incomparables. En Touraine, il y a tant de choses à voir que le plus simple est encore de toutes les voir. Voilà, c'est moins lyrique. Est-ce plus efficace? Voilà, ça, on verra. Bien, ben merci. Merci Anne pour cet exposé éminemment documenté. Nous avons encore quelques minutes pour poser quelques questions, aborder des sujets complémentaires si vous avez des éléments vous-même à apporter. Qui veut commencer? Quand est-ce qu'il a été installé où il est actuellement au Passy? Alors, c'est au moment du Palais des Congrès, c'est 90, non? Je sais pas. Oui, il me semble. Oui. Oui, c'est 93. Oui, c'est curieux comme les choses qu'on a vécues, on a moins les dates en tête, quoi. C'est pourtant. Ouais. Il y avait des syndicats d'initiative dans toutes les Oui, villes? oui, oui.
Même les petites villes. Ah, c'est-à-dire, quand vous dites ville, ville de France ou les petites communes d'Indre-et-Loire, vous parlez de... Oui, ville et communes. Dans aussi les petites communes, oui. Il y en avait aussi. Oui, oui, parce qu'il y avait le syndicat d'initiative de Vouvray. Enfin, après, Loche, c'est pas une petite ville. Mais ce qui est étonnant, c'est que le premier syndicat d'initiative, en fait, en 1890, c'est Château-Lavalière, avant Tours. Voilà. Mais donc, c'est pour ça. Après, évidemment, Tours, c'était syndicat d'initiative de la Touraine. Hein, donc c'est justement, pour prolonger votre question, Madame Rousseau, les communes qui sont dotées elles-mêmes d'un syndicat d'initiative ne sont pas des annexes. Ces syndicats ne sont pas des annexes du syndicat de Tours. Elles ont le statut d'association et c'est vraiment autonome. Justement, à ce sujet, j'étais président pendant 9 ans du syndicat d'initiative de Cormery. Pour vous dire qu'il y en avait dans un certain nombre de communes. Et effectivement, quand on vante la Touraine, ce n'est pas que Tours. C'est également tout le département, toute la province de Touraine. Et dans bon nombre de villes, effectivement, les plus grosses, il y avait des gros syndicats d'initiative. Et ensuite, il y a eu, dans bon nombre de petites communes, c'était toutes des associations à la base. Oui. C'était toutes des bénévoles. Petit à petit, ça s'est constitué, surtout dans les grosses communes, avec du personnel, avec toute la réglementation que j'avais évoquée. Et effectivement, ça a évolué pour une prise totale par le département sur l'ensemble de la gestion de ces syndicats d'initiative. Et bien entendu, on était tous rattachés les uns aux autres et on dépendait de cette organisation pour remonter jusqu'au niveau national. Oui, il y avait la fédération et les syndicats d'initiative. Il y avait toute une hiérarchie, on va dire, qui organisait l'ensemble de cette institution, qui était avant tout l'accueil du touriste et l'information auprès du touriste. Oui. Autre question ou des compléments? J'ai une petite question, Anne. Oui. Tu l'as abordé quand même dans ta conférence. Dans les activités de l'Office de tourisme Syndicat d'initiative, les congrès, est-ce que c'était une activité à part entière, l'accueil et organisation des congrès? Oui, ça a été important, mais après, le rôle du palais, palais des congrès, oui, le Vinci, mais autrement, ça leur prenait une part importante de travail. Enfin, on voit ça un petit peu dans les bilans d'activité, quoi, les congrès. Ouais. L'organisation des congrès en dehors de l'organisation du logement, c'est-à-dire l'hôtellerie, il s'occupait aussi du contenu de ces congrès, je crois. Il y avait tout un côté un peu scientifique d'organisation. Par exemple, le congrès archéologique qui est un peu ancien, mais... Oui, mais là, on a juste une photo et le carton d'invitation, hein, donc on ne peut pas trop savoir, mais c'était surtout les excursions pour les accompagnants, quoi. C'est vrai que c'était souvent des femmes, à certaines époques. Et dans les domaines d'activité de l'Office de Rimes, un cas d'initiative, j'avais aussi repéré qu'ils organisaient des circuits. Des circuits. Et aussi, il me semble qu'il y avait eu un spectacle son et lumière au Musée des Beaux-Arts, je crois. Oui, mais alors ça, c'était l'organisation plus du comité départemental, le son et lumière au Musée des Beaux-Arts. Mais bon, les circuits, j'en ai pas trop parlé, parce qu'en effet, c'était le rôle, mais c'est un petit peu comme maintenant, quoi. On fait un circuit dans la ville avec des explications. Donc, j'ai voulu mettre l'accent sur différentes choses, quoi. Vous avez parlé avec juste raison de l'économie en Touraine. Et donc, l'arrivée de l'énergie nucléaire, notamment à Chinon, avec la boule et autres, a été un centre, un lieu touristique, technique, et qui existe encore. Voilà, donc je voulais ajouter ça. Il y a d'autres entreprises qui se visitent également.
Je crois que c'est important pour le tourisme de lier les deux. Vous avez bien fait de le dire. C'est-à-dire qu'il apparaît très tôt, en fait. Après, dans les guides de voyage du 19e siècle, alors là, on s'éloigne un peu du tourisme, mais dans les voyages de formation, puisque on a le journal de voyage d'un jeune aristocrate, Armand Biancourt, et qui, au milieu du 19e siècle, va faire un voyage avec son précepteur en Belgique. Il lui fait visiter des entreprises industrielles intéressantes. Donc c'est toujours, on voit, parce qu'on a l'impression en effet que visiter des usines ou des entreprises est novateur, et voilà, c'est... Notamment les usines de fabrication d'étoffes en soie. Oui. Parce que c'est très lié à l'histoire de la Touraine, la soie, qui était précurseur à Lyon. Oui. Voilà. Oui. D'autres questions? Je m'en permets une nouvelle. On a vu que, à travers ta conférence, que l'office de tourisme était quand même très dynamique, très inventif, très novateur. On le voit par exemple avec les guides conférencières, qu'il y avait vraiment une démarche d'entreprise. Par rapport aux autres comités, office de tourisme, comités de tourisme des autres régions, par exemple celle de l'Anjou, comment se situait celui de Tours? De Touraine, est-ce qu'il est parmi les meilleurs ou... Ah, ça, j'ai pas fait d'analyse qualitative. Et en fait, c'est bon. Moi, ce qui m'avait frappé quand on a préparé l'exposition sur le tourisme en Touraine, c'est que on ne raisonnait pas au sens de les monuments de Touraine, mais en fait les châteaux de la Loire, c'est-à-dire que le dépliant touristique allait d'Orléans jusqu'à Angers, et ça allait même jusqu'à la Baule. Et en fait, le comité de publicité touristique, dans les années 50, il comportait même le département de la Sarthe et de la Mayenne. Et maintenant, on est émerveillé quand la Touraine et le Loir-et-Cher font projet commun, alors que, en fait, le touriste, il vient pas visiter, enfin, il vient visiter la Touraine, il vient surtout visiter la vallée de la Loire, pas forcément les châteaux, mais la vallée de la Loire. Et donc, c'est ça qui est important. Et on a du mal à se remettre à cette dimension. On est toujours un peu coincé par les limites administratives, je trouve. Oui, mais ça, c'est l'influence du tourisme en chemin de fer. Au début du XXe siècle, il n'y a pratiquement pas d'automobile. Mmh. Les gens circulent en chemin de fer. Et c'est l'intérêt des compagnies ferroviaires d'essayer d'emmener les voyageurs le plus loin possible. Il y a circuits primaires, circuits secondaires. Il y a cet aspect-là. Mais à propos de novation... vous avez parlé du congrès de 1910, oui. Congrès de préhistoire, et c'est le premier congrès de préhistoire qui organise un circuit automobile. Ah oui. Ouais. Et il considère que c'est une nouveauté. Mmh. Et, oui, 1910, c'est pas mal. Hein. Et toute la sortie sur deux jours en logement, avec une nuitée à Loche, pourrait bien être organisée par, non pas par les gens du congrès, mais peut-être en relation avec le syndicat d'initiative. Oui, c'est possible. Mais là, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de documents. Ouais. Quelqu'un veut-il poser une dernière question ou apporter un petit complément? Vous êtes bien rassasié, si je peux dire, de toute cette information historique. Mais écoutez, nous n'allons pas prolonger plus loin, si vous voulez bien, cette conférence qui a été vraiment très importante pour nous à la ville de Tours et qui resitue effectivement la ville de Tours dans son rôle de capitale touristique de la Touraine. Je rappelle le travail scientifique qui a été porté par les archives départementales autour de cette exposition sur l'histoire du tourisme en Touraine et qui est accompagnée par cette publication que vous pourrez consulter, voire acquérir si vous le souhaitez, sur le comptoir. Et puis donc,
On vous donne rendez-vous, la ville de Tours vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence le 28 septembre 2023, donc à l'automne. Et là, cette fois-ci, nous allons parler de d'un sujet qui est un sujet d'actualité maintenant, puisque donc c'est Louis XI et Tours, dans le cadre du 600e anniversaire de sa naissance. Et donc, la conférence va parler évidemment d'un sujet très important qui nous concerne, l'histoire du château du Plessis. Du Plessis-les-Tours à la Riche, propriété communale de Tours. La conférence sera donnée par deux historiens, Lucie Gauguin de l'Université de Tours et Patrick Bordeaux, aussi conservateur dans le domaine historique. Et avant de nous quitter, au nom de la municipalité, Anne, les élus te remettent un petit cadeau. Voilà. Merci pour votre attention. Merci à nouveau Anne de Malmorche pour cette conférence. Merci aux archives départementales. Et rendez-vous pour le 28 septembre pour le château de Louis XI avec Patrick Bordeaux et Lucie Gauguin. Bonne soirée à vous.